est-ce que je vais être prise au sérieux si j'ai un décolleté? Et là, on aurait totalement gagné. Moi, j'ai envie de me faire respecter en mini-jupe et en talons aiguilles. Pour moi, vous savez, c'est quoi la totale liberté? On serait totalement libre. Je pense, bien sûr, faut qu'on soit à l'égal de l'homme dans différents domaines. Mais par contre, je pense que dans notre vie privée aussi, on doit aussi avoir cette égalité. On n'a pas à débattre de la vie sexuelle d'une femme dans la place publique et à la juger. On ne fait pas ça pour les hommes. Et on serait aussi complètement libre si le jour, avant un rendez-vous professionnel, on n'a plus besoin de se poser 10 fois la question « Est-ce que j'ose porter ce haut décolleté ou pas ? Est-ce que je vais être prise au sérieux si j'ai un décolleté ?» Et là, on aurait totalement gagné. Moi, j'ai envie de me faire respecter en mini-jupe et en talons aiguilles. Si je dois me travestir en homme pour me faire respecter, je n'aurais rien gagné. Tous les jours, j'ai peur, et même moi-même, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'être totalement libre, mais des fois, je me pose des questions. Est-ce que je ne vais pas paraître idiote si je porte ce genre de talons? Si tout simplement, je suis féminine aussi. Dans cette société, on met les femmes, on les range par des cases. Il y a les bonnes femmes, les femmes convenables, les femmes qui méritent, et les femmes qui sont bannies de cette société. Finalement, qui sont ces femmes qui sont bannies par cette société? C'est les traînées, les filles faciles, etc. On leur reproche quoi, finalement? C'est d'être libre, c'est de s'épanouir dans leur sexualité à l'égal d'un homme. Et ça, finalement, ça dérange la société, ça perturbe. Et oui, parce que j'essaye de m'épanouir dans ma vie personnelle, je ne le cache pas. J'ai pas peur des jugements de la société et de cette morale complètement ridicule. Oui, du coup, oui, quand on n'a pas peur, oui, on reçoit ce mépris, des fois.